On vient d'arriver sur le parking de Névache. On a dû perdre facilement 10 degrés depuis chez nous. Il y en a qui vont passer 7 jours, mais t'as la chair de poule. Bon, il est 19h, on part de Névache. Dans 7 jours, on viendra ici. Bon, voilà, l'abri est monté. Voilà, on est pas mal là. Mais t'as plus qu'à mettre le duvet. Et puis c'est bon, alors ça ressemble à quoi dessous? On est pas mal là-dedans. On est prêt pour la nuit. Voilà, j'espère qu'elle sera pas trop froide. On va tester tout ça, le matos. C'est une première expérience. Ouh. La nuit. Oh, la nuit, il a fait froid. Très, très froid. Les chaussures sont givrées. Je savais pas que les bananes pouvaient geler. Elle est complètement immangeable et dure. Incroyable. C'est ouvert. Ça tient là, s'il te plaît. C'est incroyable. Direction le col de Buffer. Après une ambiance glacée congelée ce matin au réveil. Un petit déjeuner un peu rapide. On espère manger un peu mieux à Monégier. On a improvisé une petite Gore-Tex en plastique. Un sac plastique pour tenir chaud à madame. C'est pas mal là, non? Ouais, je suis bien. Il y a le nom de ta ville dessus, Saint-Cyr-sur-Mer. On arrive à Monétier, et ben, il faut qu'on trouve de quoi se restaurer. Qu'est-ce que tu veux manger, toi? Je sais pas, salade, quelque chose de frais. Une salade. Une grosse salade composée. Et des frites? Ah, de la charcuterie, surtout. Du fromage. Et des frites. D'accord. On arrive au lac de la Douche. C'est un peu pour les Marseillais, la Canebière, ou pour les Parisiens, les Champs-Élysées. Mais pour nous, c'est qu'une étape, parce qu'après, on continue au col d'Arcine. Pour ensuite basculer sur le refuge de Chamoissière, rendre visite à nos amis. Voilà. Ceux qui se posent la question de savoir comment on va se laver, bah, la réponse elle est derrière moi. À la douche. Il paraît qu'on peut manger les vaches ici. On a levé les tapis, on a mis des gens dessous. Non, c'est complet. Ok, au revoir, on y va. On va aller en bas. Alors Seb et Sylvie, ils ont tout construit là. Tout construit eux-mêmes, tout reconstruit. Travail de dingue. Enfin, Seb, il fait ça, il a des mains en or. Bon, là, c'est pas terminé, mais c'était spécial pour nous en fait. C'est l'abri à bivouac. Voilà, espèce de cabane, on va bien dormir dedans. Ouh là là, c'est chiant. Est-ce que t'as vu cette table? C'est juste pour nous. Oh, tu vas aller chercher trop loin. Très loin. Allez, cherche. À Chamoissière, quand tu commandes une salade, eh ben, elle arrive directement du potager. Tu peux pas faire circuit plus court que ça. T'as mis des fleurs, non? Ouais, avec des radis. Excellent. Bon, finalement, on reprend la même place. Moi, j'ai droit aux pâtes bolognaises. Toi, t'as du riz. Allez, au revoir, Chamoissière. Bon, des fois, il faut savoir changer les plans. Parce qu'à la base, on ne devait pas partir aussi tard. Puis finalement, on a voulu rester là. Tellement bien ici, non? Ah oui. Voilà. Direction maintenant le refuge du Goléon. So steady, even gold won't turn your tide. Ouh, cette montée du Goléon.
plein soleil, ça donne, hein. Comme une grosse envie de prendre une douche. Bon, bah, on est arrivé au refuge du Goléon, 2464, voilà, avec une vue incroyable sur la Meije. Qu'est-ce que t'as pris là? Je suis comme je suis. J'en ai pas une. T'en as deux? On a, taxé des couvertures au refuge. Bon, on a quand même installé l'abri. Puis si jamais on a vraiment froid ou qu'il y a un problème, on peut quand même se mettre dedans. Gonflage de matelas, donc on prend de l'air, on souffle dans le truc, hein. On le remplit, on le ferme et on presse tout l'air qui rentre dans le matelas. Bon, le bivouac, vas-y, raconte. Duvet dans deux couvertures. Voilà, c'est ça. Oh, ça va être bien. Deux, trois. Voilà, tranquille. Tranquille pour la nuit. Si on a froid, il y a un problème. Bon, magnifique spot de bivouac. Belle nuit. Bah, pas froide du coup avec les couvertures, c'était bien agréable. Et donc là, on va aller prendre le petit déjeuner tranquillement au refuge. C'était prévu comme ça. Par contre, là, on est en direction Valoir. Il va falloir qu'on trouve une solution pour notre... pas la prochaine, mais celle d'après, hein, la nuit d'après, parce qu'on va dormir à plus de 2600 mètres. Et honnêtement, je pense qu'on n'est pas assez couvert. Pas facile là, hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Col du Goléon, on en termine. On va apprécier la vue à 2850 mètres et on va voir surtout ce qu'il nous reste à faire. Oh, oh my goodness, comme c'est beau! On va tout en bas dans la vallée. Wouhou! Désormais, nous sommes en Savoie. Nous avons quitté les Hautes-Alpes. T'as pris deux éclairs, toi? Ouais, j'avais très faim. Moi aussi. Tu veux encore un éclair ou quoi? Un troisième éclair, c'est possible. Tout est possible. Allez, direction Valoir. 20-25 minutes. Puis après, voilà, il faut se doucher. On va trouver un torrent. Et puis un coin pour la nuit. Puis après, on ira au resto. Bon, on n'a pas filmé la douche, mais elle était fraîche. Surtout sous la cascade. Nous sommes samedi et nous sommes à Valoir. Nous avons campé ici dans ce chouette petit spot. Tiens, mais aujourd'hui t'as pas de sac à dos, t'as pas le gros sac, il est où? On se repose aujourd'hui. On laisse aux jambes se reposer, on va faire un bien ferrata et la chose. On va travailler les bras. Bien ferrata aujourd'hui. T'as vu, c'est dur là, hein? Après la bienferrata, le resto, le télésiège, la sieste. Bon, faut aussi montrer ce qui est pas trop amusant. Comment bon, c'est pas très long, hein, mais il fait super chaud sur les pistes de ski de Valoir. Et ensuite on bascule et on va aller vers le côté très sauvage de la chose. Ce qu'on attend avec impatience. Voilà un tout petit ruisseau. Peut-être que d'habitude on prendrait pas l'eau, mais grâce à cette gourde qui filtre, ça permet de boire l'eau où qu'on veut. Mais là on doit aller au lac. Et bon, Isa commence à tirer la langue, moi aussi je commence à avoir un peu marre. Donc on s'arrêtera au lac d'avant. Voilà. Je pense pas qu'on monte jusqu'à 2700 mètres. Et en même temps il fera moins froid pour la nuit. Bon, la douche est prise, le linge est lavé. Il sèche sur les rochers là. Voilà. On a voulu dormir là, mais la bosse herbeuse. Avec la vue sur le lac, elle est sympa, mais elle est pleine de trous et de bosses. Donc on a prévu cette petite
dépression du terrain. Et on va expérimenter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on va mettre les matelas dans l'autre sens et qu'on aura la tête dehors. Voilà, le petit repas qui nous attend. Waouh, tu nous as coupé les tranches de saucisson, le fromage, les salades. Bon, on est dimanche. La nuit n'a pas été trop mauvaise, même ça se voit pas sur mon visage. Ça commence un peu à tirer toutes ces nuits, mais bon, il y en a qui ont un peu moins bien dormi a priori. Ouais, mais comme d'habitude. Comme d'habitude. On n'a pas la même qualité de sommeil. Voilà. En général et encore moins en montagne. Donc il est 6h15 et on est face à un paysage magnifique avec ce lac et ses fleurs. Et aujourd'hui, on est parti pour faire le mont Tabor. Voilà, on a mis le réveil un peu tôt histoire de marcher sans le soleil. Ah, il est beau celui-là. Magnifique lac encore. Oh, la vue incroyable, ça, tu te lèves. Tu fais un peu manouche avec tous tes bordels, t'as derrière. T'as fait ta lessive, ta lessive. C'est ça, je fais ma lessive, je me suis pas peigné les cheveux depuis 4-5 jours. Et ce qui est dingue ici, c'est qu'il n'y a pas un bruit, c'est une espèce de cuvette avec des rochers. Je fais un petit tour, un petit panoramique, là, on est sur une petite dalle. Et voilà, et donc ce qui est vraiment dingue, c'est que tout est atténué. Il n'y a pas un bruit d'avion, pas un bruit de ruisseau, pas de vent, pas d'oiseaux, pas d'animaux, pas d'insectes, rien. Je vous laisse écouter ça, vous allez voir. Incroyable, hein. Bon, on n'a plus de sentier du tout. Alors, le plus compliqué ici, c'est de trouver le meilleur passage, le moins fatigant, le plus facile, et tout ça face au soleil. Qu'est-ce que c'est beau, là. Gros bordel à monter. On a retrouvé un semblant de chemin. C'est balisé, mais tout à l'heure on a dû faire une traversée un peu coriace dans ces rochers. Allez, on se monte, à bord. Chapelle et tout là-haut. On y est dans pas longtemps. Allez, on est au sommet là. Hein. C'est lunaire. Hein. 3150. La vue incroyable. Je fais une petite planche de saucisson. Ouais, c'est bien ça. On a trouvé 1 mètre carré d'ombre, sauf que à l'ombre on se pèle, au soleil on crame. Bon, l'eau quand même, on l'a mise là comme ça, elle va réchauffer un peu. On a une petite salade. Putain, j'ai faim! Petite pause au dreyer, bon, deux boissons. De fromage blanc myrtille. Bon, il y a du monde, donc on s'est mis là. Le spot de douche est là. Oh, ça va être beau, ça. Oh. Oui, ce refuge Laval. Bon appétit. On trouve quoi pour dormir? Là, ici, là, on est bien. Nous avons la vue sur la vallée. La nuit était bonne, ça ne se voit toujours pas, mais c'est normal. Je ne sais pas combien de temps il faut pour s'habituer à dormir dehors. Mais en effet, le réveil, c'est toujours aussi douloureux. Allez, c'est parti pour le lac des Béraudes, avec une bonne montée, hein, quand je vois le chemin qu'il a. Alors, il est pas beau ce lac, cette vue magnifique,
une couleur incroyable avec des reflets extraordinaires. Là, il va falloir le surveiller de près parce qu'il bourgeonne au-dessus de la montagne là. Donc voilà, peut-être que lui va nous poser des problèmes. Oh là là, c'est notre dernier jour. On pourrait marcher encore des jours comme ça, j'ai l'impression. Bon, la montée est rude, mais la météo tient toujours. Et on arrive à des anciennes mines. On va aller voir ce que ça donne. Putain, c'est ouvert le truc quand même. Hein. Ah ouais. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ma lumière, mais là, il y a des rails au sol. On les voit. On les voit, ces rails, maintenant. Là, je m'enfonce, ça. Je sais pas combien de mecs là-dedans. Notre dernier col. Après, on fait que descendre. Bon, bah, je viens à peine de rentrer le drone. Et puis, bah, 2-3 coups de tonnerre, là, au niveau de l'aiguille du Chardonnay. Ce fameux nuage qui était menaçant commence à devenir très menaçant. Est-ce qu'on va être chanceux avec la météo qu'on a eue toute la semaine? Franchement, la logique serait qu'on ne prenne rien, mais la logique du jour vu la météo serait qu'on prenne. Ça y est, ça commence. Bon, là il y a un bon morceau de plat, on va accélérer le rythme. Pas très loin du refuge, ce serait bien de pouvoir gagner cette course la montre contre le temps. Bon, finalement on avait un gros creux pour l'omelette de ouf. Ma taille, la taille de mon doigt quand même à côté. Et toi? À quelques minutes de l'arrivée, l'unique chute se termine dans la bouse. Putain, j'en ai de partout, putain. Oh putain. On a vu, on s'est retourné, un bon front orageux qui arrivait derrière. Bon bah on a perdu. On a pu nous rattraper. Ça se termine comme ça. Un queue de poisson, non? Non, pas du tout. Dis-moi. Moi, je vous recommande le stage commando montagne de Cédric Tassin. C'est vrai. Follow the guide. Plus de 150 km. Je suis rentré à les vaches après 7 jours sans toucher la voiture. On a vu les belles choses, non? Ouais, 7 jours dehors surtout. 7 jours dehors. Maintenant, il va falloir réfléchir à de nouvelles aventures. Vous avez des idées peut-être? Voilà, donc si vous avez des idées de tours, de traversées en France, à l'étranger, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez nous héberger, n'hésitez pas non plus. Allez, à bientôt.